Je suis en compagnie d'Oliver Saint-Laurence et de Yann Lerner. On parle français d'un côté, on parle anglais de l'autre. I started in English. Oliver, you bought the lot 250, a filly by Elohim Zain. Was for Bahraini interest. Could you tell us more about this filly? Well, I mean, Yann saw her independently of me, loved her. We saw her, Fauzi and I took Fauzi to see her, loved her. Nice group three update. And the Hello Yum Zains, I've liked here. I think they've had a really lovely, strong shoulder and neck on them. She's a nice filly with a good pedigree. That Yann has promised she will win five group ones. Or was it six? Il nous disait qu'il est un grand fan des poulains d'Hello Yum Zain. Il en trouve beaucoup de qualité. Yann, il l'avait repéré avant. Il a suivi ses conseils. Et il a dit qu'il espérait gagner au moins cinq group ones, voire six. Yann, est-ce qu'on a la pression quand on travaille avec des gens d'importance comme Oliver Saint-Laurence et ses clients? Oui, non, j'apprécie grandement la confiance qui me donne. Voilà, la pouliche nous plaisait beaucoup. C'est une pouliche très athlétique qui a l'air de pouvoir être sympa pour la saison prochaine. Donc après, j'espère qu'on va pouvoir leur rendre toute la confiance qu'ils nous ont donnée. Expliquez-nous un petit peu la connexion qui s'est établie depuis très peu de temps entre des investisseurs du Bahreïn et qui vous ont fait confiance et vont confier des chevaux petit à petit. Oui, bah, j'ai eu la chance de connaître Stéphane Ladjadj qui travaille à Bahreïn avec Monsieur Nas. Et ça s'est fait comme ça. Ensuite, on a rencontré Oliver Saint-Laurence par la suite. Je les ai rencontrés au Breeze Up cette année. Et ensuite, voilà, la connexion elle s'est faite. On a commencé avec des chevaux d'âge. Et voilà, là, j'ai la chance d'avoir des deux ans pour l'année prochaine.